Elle parle d'une meilleure identification des besoins sur le terrain pour la consolidation de la réforme de l'école. Entre autres points abordés, la refonte pédagogique, la gouvernance et la professionnalisation des compétences. Nolia Benrabrit indiquait d'ailleurs que des sujets ayant trait au pilotage de projets, à l'enseignement des mathématiques, au jumelage des établissements et à la rationalisation des dépenses ont été également abordés.